嗯。Hmm. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Si euh, vous êtes prêts à suivre le live, euh, merci de, de me le signaler. Et me signaler si le son est bon. Si le son est bon. Merci de signaler si le son est bon. Mmh. Mmh, 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 mmh. Venez nous sauver, bon, la galère va nous tuer. Venez nous sauver, la galère va nous tuer. Venez nous sauver, la galère va nous tuer. Venez nous sauver, la galère va nous tuer. Bonsoir, Alvin. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci à tous de partager le live. Merci d'inviter vos amis. Parce que ce soir, nous allons parler d'un sujet très délicat. N'est-ce pas euh, Le sujet qui concerne ces prédateurs sexuels qu'il y a dans, dans notre communauté. Chez nous en Afrique, beaucoup plus. Parce que chez nous, l'impunité est encore vraiment à un niveau incroyable. Et parfois, il y, y en a qui sont victimes, mais qui ne savent même pas qu'elles sont victimes. Et je pense que c'est un sujet, n'est-ce pas, qui doit nous interpeller suite à l'affaire de Ewen Bobda, le prédateur sexuel qui a fait de nombreuses victimes au Cameroun pendant 20 ans, imaginez, 20 ans, 20 ans, je, je n'ose même pas imaginer comment est-ce qu'il a traumatisé les enfants des gens. 20 ans, pendant 20 ans, l'individu était à la chasse. Et le pire, c'est qu'il est, il est protégé, n'est-ce pas, par ceux qui sont censés veiller à la sécurité des populations. C'est triste et c'est ça nos pays malheureusement. Donc il faut bien que à un moment donné qu'on se dise des, des vérités, qu'on essaie, de n'est-ce pas de sensibiliser plus les jeunes. Et j'ai trouvé un peu euh, comment dire catastrophique n'est-ce pas euh, le fait qu'il y ait des personnes qui essaient tant bien que mal de trouver des circonstances atténuantes à des prédateurs tels que Eve Bobda. C'est inadmissible que dans notre société, des, des filles, des jeunes filles, des garçons, des jeunes garçons, sont victimes d'abus, de violences aggravées, et que certains individus viennent sur les réseaux sociaux. Trouver des circonstances atténuantes aux auteurs de ces crimes crapuleux. C'est triste. Qu'est-ce que nous, on peut faire On peut recueillir des témoignages et dénoncer. C'est tout ce que nous, on peut faire parce que je vais vous rappeler quelque chose qui est fondamental et que chacun doit mettre dans sa tête. Je vous invite à partager massivement ce live parce que ça peut sauver des vies. Nous ne sommes pas ici dans la distraction dans le brouhaha ici on donne toujours des conseils utiles à la société sur cette page n'est-ce pas nous nous attaquons nous attaquons autant pour moi au sujet sérieux qui pourrait permettre n'est-ce pas à la société de mieux s'épanouir donc le sujet que nous abordons ce soir concerne ton enfant ça te concerne toi ça concerne nos enfants ça concerne notre société c'est très important c'est très important donc, à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Prenez un peu l'exemple de ce qui s'est passé avec l'affaire Eve Bobda. Vous avez vu, quand chacun a mis du sien sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce que les réseaux sociaux sont capables de créer comme scandale. Vous avez vu qu'à travers les réseaux sociaux, on peut faire bouger des lignes. Tout passe par le partage de l'information. C'est tout. Hein? Rien que partager autour de vous, vous faites un gros boulot quand vous le faites. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par un sujet, partagez-leur ça. Partagez-leur, c'est très important. Parce que lorsque vous gardez seulement pour vous, vous faites de la rétention d'informations. Mais quand vous partagez avec d'autres personnes, c'est que vous appelez les personnes, venez écouter, ça peut vous intéresser. Et c'est comme ça qu'on réussit à mettre la main sur les gens comme Eve Bobda. Ce criminel en puissance. Parce que pour moi, ce n'est pas les affaires de qui il est présumé innocent, présumé coupable. C'est un criminel. Parce que lorsque vous avez lu les témoignages des victimes de cet individu, vous comprenez que c'est un criminel. Tout simplement. Je vous rappelle encore la chose ici. Et appliquez ça dans votre vie quotidienne. Un, deux, trois, quatre, voire cinq témoignages contre toi, c'est une rumeur on peut considérer ça comme des racontages. Quand on arrive déjà à, à plus de 5 témoignages cohérents, 10 témoignages, ça devient une piste d'enquête, ça devient une piste. C'est-à-dire, on commence à soupçonner quelque chose. Mais quand on va déjà au-delà de 20, on arrive à 30, on monte jusqu'à 100 témoignages, ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus seulement une piste, mais c'est une information. C'est une information. Je répète encore, cinq témoignages de, de, de cinq personnes sur quelqu'un, sans qu'on ait vraiment des faits, des preuves, mais des témoignages, on peut dire oui, bon, c'est la rumeur, il n'y a rien qui, est, qui peut vraiment être fondé, même si il faut qu'on essaye de, 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 de regarder, mais on peut dire que oui, la rumeur, quand on va déjà au-delà, ça devient une piste pour les enquêteurs, ça devient une piste pour la société. On essaye d'ouvrir les yeux, on dit non, mais ça, là, ça devient sérieux. Mais quand on arrive déjà à plus de 10, en montant 20 jusqu'à 100, ce n'est plus des rumeurs. Ce ne sont plus des rumeurs, autant pour moi, c'est une information. Donc, lorsque vous lisez tous les témoignages qui concernent Hervé Bobda, vous comprenez que c'est un criminel en puissance. On n'a pas besoin de passer de midi à 14h pour comprendre ça. C'est un criminel en puissance. Ce qui est sûr, parmi ses victimes, il y en avait qui étaient consentantes. Ce qui est sûr, il n'a pas seulement passé son temps à abuser des jeunes filles. Il a également eu des relations, ça c'est une certitude. Il a certainement eu des relations avec des filles consentantes. Oui, il a eu des relations avec des filles consentantes. Mais ça n'enlève rien au fait que, entre autres, il y a eu, n'est-ce pas, des relations avec des filles qui n'étaient pas consentantes, avec des jeunes garçons qui n'étaient pas consentants. Et là, ça devient de l'agression sexuelle, ça devient un crime. C'est du viol, du VIOL. Je ne veux pas que TikTok bloque mon live, parce que le live a à peine à décoller déjà. Je ne voudrais pas qu'il bloque mon live. Donc je vous invite tapoter 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 l'écran tapoter seulement vous qui êtes déjà connectés tapotez l'écran tapotez l'écran et n'oubliez pas de partager dès qu'on sera déjà assez nombreux on va commencer parce que malheureusement comme TikTok n'a pas de rediffusion on est obligé d'attendre qu'il y ait quand même un maximum de personnes avant de lancer vraiment le, réellement le sujet euh, du live sinon on va parler et puis ceux qui vont se connecter ils ne seront pas ils ne seront pas vraiment à quel niveau nous sommes voilà donc Faites un maximum de partage, la famille. Faites un maximum de partage et tapotez l'écran. Mettez les cœurs. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Ça nous aide aussi à protéger nos pages. Parce que, bien évidemment, il y a des gens qui nous combattent, qui passent le temps à signaler. <laughs> voilà. Donc, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Partagez, bipez les gens. Bipez-les, taguez les dans le live. Demandez-leur de venir et qu'on parle. Si vous connaissez des gens qui essayaient de défendre Hervé Bobda, n'est-ce pas en accusant ses victimes, n'est-ce pas, en disant par exemple que euh, n'est-ce pas euh, les jeunes filles d'aujourd'hui aiment trop la facilité, les trucs comme ça, nanani nanana, là. il faut pas détourner le sujet, il ne faut pas qu'on détourne le débat, parce que le débat n'est pas à ce niveau, le débat porte sur l'agression, les menaces. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de, du comportement de jeunes filles ou du comportement de jeunes garçons ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. non. Je vous prends un exemple. Vous, rentre, vous sortez pour aller vous amuser. Ou alors pour aller voir des amis, ou aller rendre visite à un ami ou à un copain ou à je ne sais qui. Et vous rentrez tard dans la nuit. Pendant que vous rentrez chez vous tard dans la nuit, vous vous faites agresser. On va s'en prendre à l'agresseur ou bien on va se mettre à te faire le reproche de savoir pourquoi est-ce que tu es rentré tard la nuit Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas rentrer plus tôt Par exemple. Vous voyez un peu Donc quand il y a ce genre de sujet, il faut éviter, il faut éviter de transformer les victimes en coupables ou alors n'est-ce pas de jeter une part de responsabilité sur les victimes. Il y a des victimes et de l'autre côté, il y a ceux qui commettent les actes répréhensibles. Parce que vous voyez une jeune fille qui se fait abuser sexuellement. La société se retourne contre elle en disant, tu partais d'abord faire quoi chez le type là Vous aimez trop la vie facile. Vous aimez l'argent facile. Eh nanani, nanana, non. Là, vous faussez déjà le débat. Parce que le débat n'est pas sur le comportement de la victime. Le débat est sur le comportement du bourreau. Je répète encore pour que ceux qui n'étaient pas connectés comprennent bien. Vous sortez, vous, vous rentrez tard la nuit, vous vous faites agresser. Nous savons très bien que les agresseurs aiment opérer tard la nuit. Toi, tu le sais. Mais tu, tu sors quand même et tu rentres tard la nuit, tu te fais agresser. Est-ce qu'on va se mettre là à poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu es rentré Tu aimes trop rentrer tard la nuit. Tous les jours on te parle, tu ne comprends pas. Tu rentres toujours tard la nuit. Voilà ça alors. Ça veut dire que vous trouvez des circonstances atténuantes à l'agresseur, aux bandits qui t'ont agressé, en disant que tu es responsable de t'être fait agresser parce que tu es rentré tard la nuit. Donc, vous trouvez une raison à l'agresseur. Voilà pourquoi je dis toujours que évitez souvent, euh, n'est-ce pas, les vidéos ou les lives de personnes, des gens embrouillés. Parce que ça vous embrouille vous-même. On vous pousse à croire qu'il faut absolument jeter la responsabilité sur des victimes. Par exemple, on va te dire, écoutez, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les jeunes filles ont le gros cœur. De nos jours, les jeunes filles. Quand elles sortent là, elles cherchent seulement le gros lot. Elles veulent les gros iPhones. Elles veulent les gros ceci. Elles veulent les gros cela. Soit. Mais ça ne donne pas le droit à des individus d'abuser d'elles, de les agresser sexuellement, de les tabasser, de les menacer avec une arme à feu. De les violenter, de les violer, ça ne donne pas le droit à des, à des individus d'abuser d'elles. C'est un peu comme si tu me dis que voilà, écoute, une prostituée, quelqu'un abuse d'elle, on ne va rien faire à la personne parce que c'est une prostituée. Vous ne savez pas que même les prostituées se font violer aussi Vous ne savez pas ça Eh oui. Il ne faut jamais trouver des circonstances atténuantes à l'agresseur, au bourreau, au prédateur. C'est l'erreur que vous commettez souvent dans notre société. Et c'est ça qui fait en sorte que ces gens continuent d'opérer sans être inquiétés. Parce qu'on va dire, ouais, écoute, il a invité une fille à l'hôtel. Elle est venue à l'hôtel. Pourquoi est-ce qu'elle est, qu est d'abord partie à l'hôtel? Écoute, tu peux très bien inviter quelqu'un. La personne arrive, quel que soit l'endroit, et vous ne faites rien. La personne arrive et dit non, moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour qu'on bavade. Et tu n'as pas le droit d'agresser la personne parce que oui, tu as invité la fille ou le garçon dans une chambre d'hôtel. Et donc la personne savait, tu lui fais des procès d'intention. C'est-à-dire que comment tu sais que la personne sait à quoi s'attendre? Non. Il y a des gens qui, qui peuvent dire, ouais, écoute, moi je vais seulement, j'y vais seulement pour, euh, n'est-ce pas, taper les commentaires, blaguer, s'amuser, boire un peu et puis rentrer. Ce n'est pas obligé qu'on couche ensemble. Et c'est vrai, ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que ici, en Occident où nous vivons, vous allez remarquer que les gens ont un comportement différent vis-à-vis, n'est-ce pas, de la, de, des femmes, de la société en général. C'est-à-dire que ici, c'est ici-là que certaines personnes se rendent compte qu'ils peuvent inviter une femme à l'hôtel et ils ne la frôlent même pas. C'est-à-dire qu'il ne passe même pas. Assez. Est Elle est assise dans la même chambre d'hôtel que lui. Mais il ne passe même pas à côté de ses 5,50 mètres. Oui. Tu rencontres une jeune fille même en boîte de nuit. Vous buvez, vous buvez, vous buvez. Et après tu lui dis écoute, c'est mieux qu'on rentre plutôt chez moi. Hein. Je vais te comme ça. Elle dit il n'y a pas de problème. Vous rentrez chez, 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 chez toi. Elle peut dormir sur le canapé, tu dors dans ta chambre ou bien elle peut dormir dans ta chambre. Toi tu dors sur le canapé. Si elle n'est pas d'accord que tu la touches, tu n'as pas le droit de la toucher. Ce n'est pas parce que tu l'as invité elle est venue que tu dois la toucher. Je ne sais pas pourquoi ce qui est normal devient ce qui est normal ailleurs devient anormal chez nous. En Afrique. Moi je ne comprends pas l'autre là. On vous parle d'un individu qui a agressé des, des, des enfants, des femmes, des hommes, des adultes même, menacés avec son arme à feu, de coucher avec eux. Il les a forcés à coucher avec lui. Filles comme garçon. Mais vous trouvez quand même le moyen de venir nous expliquer que si ces filles et ces garçons se sont fait abuser par cet individu, c'est bien parce qu'ils ont les longs yeux. Comment vous pouvez dire ça Comment est-ce que vous pouvez dire ça Ici où nous nous trouvons, tu peux être dans la même maison avec une fille. Elle se déshabille nue devant toi pour aller se laver. Elle revient. Elle s'assoit. Elle se ouvre. Elle s'habille. Tu ne la touches pas. Tu ne la frôles pas sans son autorisation. Tu ne la touches pas, tu ne la frôles pas sans son autorisation. Les gars, je ne vois pas vos commentaires. Essayez de laisser les commentaires si vous êtes prêts à suivre le live. Parce que j'ai même déjà commencé le live. Continuez de partager, s'il vous plaît. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et partagez le live à tous vos proches, à toutes les personnes que vous connaissez. Parce que les gens ont déjà normalisé l'écart et écarté la norme chez nous. Ça veut dire que tu rencontres une fille, vous causez, vous tchatchez, vous vous entendez bien, tu l'invites chez toi, elle arrive chez toi, tu lui proposes d'aller au lit, elle te dit non, tu insistes, elle te dit non, tu lui dis, mais pourquoi est-ce que tu es venu alors Elle te dit, mais je suis juste venu pour voir là où tu vis, tout, tout, tout. Toi, tu estimes que non, comme elle est venue là, c'est qu'elle est venue parce qu'elle cherchait quelque chose, elle veut juste se faire désirer. Et tu forces, tu abuses d'elle. C'est un viol. Ce n'est pas parce que ça s'est passé chez toi. Ou alors ce n'est pas parce qu'elle a accepté ton invitation. Ou bien ce n'est même pas parce qu'elle est venue chez toi sans caleçon. C'est-à-dire que tu peux inviter une fille. Elle porte une robe moulante ou une mini-jupe. Et elle ne porte pas le caleçon en dessous. Elle vient. Et toi, tu estimes que comme elle n'a pas porté le caleçon en dessous, ça veut dire que je dois automatiquement monter sur elle. Faux. Parce qu'elle peut te dire que non, elle aime que son corps respire. Ne trouvez jamais des circonstances atténuantes à des agresseurs. À des bourreaux, il y a une seule victime dans les cas d'agression sexuelle, c'est les personnes qui se font agresser sexuellement, filles comme garçons. Il n'y a pas de circonstances atténuante ni d'explications à donner dans ces circonstances. Il n'y en a pas. Parce que quand la personne dit non, c'est non. Mais pourquoi ici en Europe ça fonctionne C'est-à-dire que même quand quelqu'un drague une fille ici en Europe, il est un gentleman. Si la fille ne lui donne pas l'autorisation même de tenir sa main en route, la, le gars ne va même pas la frôler. Si la fille ne lui donne pas l'autorisation de, de la toucher même comme ça, il ne va pas. Mais au Cameroun, bref, en Afrique, à peine tu es en train de dire bonjour à une fille, à peine tu l'appelles déjà ma chérie, à peine tu la touches déjà, à peine de. Est-ce que vous savez que ça, ça peut être considéré comme des attouchements non désirés Des attouchements. C'est-à-dire que, ici, en Europe, peut-être, je prends l'exemple. Ici, je suis au Royaume-Uni. Tu t'entends bien avec une fille, ouais, tu lui fais la cour et tout ça, tout ça, tout ça. Bonsoir, Protus. Bonsoir, Bangaman. Bonsoir à vous. Tu fais la cour. Elle est bien. Elle est, elle est, elle est attentive à ce que tu dis. Vous vous entendez bien. Tu la touches. Tu la touches quand tu parles avec elle. Tu la touches même à l'épaule ou bien même au dos. Elle te dit non. Ne me touche pas. Parlons juste. Et si tu la retouches encore à l'épaule, ça devient des attouchements. Tu peux aller en prison pour ça. Pourquoi alors chez nous en Afrique là-bas C'est différent. Et c'est ça qui fait en sorte que les hommes comme Eve Bobda agissent et ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. Ils invitent des jeunes enfants chez eux ou des personnes chez eux. Ils leur donnent de l'alcool. Ensuite, ils les droguent. Ils abusent d'elles. Ils abusent d'eux. Filles comme garçons. Et après, rien ne se passe. Quand on va venir se plaindre que, mais, il a fait ci, il a fait ça. La première question que le policier lui-même va te poser au commissariat, c'est, tu partais même d'abord faire quoi là-bas chez lui Donc, tu veux me dire qu'un homme t'invite chez lui Tu pars chez lui en mini-jupe. Et après tu vas venir nous dire qu'il t'a violé, hein Tu n'es pas sérieuse. Toi, le policier ou bien le public, vous commencez à juger la victime. Or, oh, vous ne savez pas ce que la personne a subi, parce que le premier préjudice dans une affaire pareille, c'est d'abord le préjudice moral. Et les dégâts causés sont plus moraux que physiques dans ces genres de situations et vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons sont victimes de ces prédateurs sexuels dans notre société. Vous ne pouvez pas imaginer vos enfants sortent de la maison. Elles se font elles se font toucher par les professeurs, elles ne savent même pas. Ils se font à toucher par les professeurs, par leurs amis même à l'école. Ils ne savent pas que ce qu'on est en train de leur faire là, normalement, ça ne se fait pas. Faites attention. Quand je vois des gens sur les réseaux sociaux essayer d'expliquer... Que ouais écoutez ces jeunes filles elles vont d'abord en boîte faire quoi et puis quand elles voient un homme qui a beaucoup d'argent beaucoup d'argent elles sont attirées et ensuite elles vont vers l'homme là et quand elles couchent avec l'homme là et l'homme ne, ve ne veut pas continuer la relation elles partent et que non l'homme là les a violées nanani nanana vous ne savez pas qu'il y a aussi les apatheurs, des apas c'est à dire que quelqu'un vient en boîte son but Effectivement, il est en, il est, il est en chasse. C'est-à-dire que son but, c'est de trouver des victimes, des proies, des proies faciles. Et donc, comme il sait que dans la société, c'est un peu, c'est la pauvreté et tout, il sort avec des liasses d'argent. Il sait qu'en en, en exhibant des liasses d'argent, il va avoir des potentielles victimes. Et donc, il exhibe les liasses d'argent et il a ses victimes. Il les amadou, il les amadou, il les amadou. Et après, au moment où elle se rend compte de la situation dans laquelle elle se trouve, il est trop tard. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question ici. Donc, j'ai lancé ce live ce soir pour que les gens comprennent bien. Faites attention. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de vidéos, des gens essayer d'expliquer que Hervé Bobda, euh, voilà, bon, vous voyez, c'est que les jeunes filles ont trop les longs yeux, donc c'est pour ça que Hervé Bobda profite, et c'est que c'est monté, c'est descendu. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc ça veut dire que si tu as peut-être euh, ta ménagère à la maison, ou bien l'ami de ta femme, ou bien même euh, une, une, une personne qui est voisine, vous, vous, avez les, les, vous, vous êtes peut-être en location dans des, des camps, des camps là, où vous avez des maisons collées, collées, vous partagez les toilettes. Parce que ta voisine va se déshabiller, aller aux toilettes. Toi, tu vas te dire que, ouais, écoute, comme la voisine là, elle s'est déshabillée devant moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille mettre mon truc. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si tu as ta, ta, je sais pas, tu as ta ménagère à la maison. N'est-ce pas, tu la trouves dans, 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 dans des sous-vêtements sexy, tout, 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 tout. Et tu te décides d'aller de, 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 monter sur elle parce que oui, elle ne devrait pas normalement se mettre en sous-vêtements sexy dans la maison. Non, tu l'as violée, Mba. C'est clair. Il faut que ça entre dans la tête des gens. Arrêtez un peu votre cinéma que vous faites sur les réseaux sociaux, là. Surtout quand il y a des sujets sensibles comme ça. Et normalement, c'est par rapport au comportement de la société que les jeunes, que les personnes victimes de viol s'expriment. Et c'est très difficile, hein, je vous le dis. Quelqu'un qui se fait abuser sexuellement, c'est très difficile que la personne s'exprime parce qu'il y a d'abord la honte de soi. Comme je vous ai dit, le premier préjudice est moral, c'est psychologique. La personne commence déjà d'abord à culpabiliser, effectivement, en se disant, je n'aurais pas dû accepter son invitation. Je n'aurais pas dû me retrouver à cet endroit-là. Je n'aurais pas dû porter la mini-jupe. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. La personne commence d'abord à culpabiliser. Voilà pourquoi il faut expliquer aux victimes de viol que vous n'êtes pas responsable, vous n'avez aucune part de responsabilité si vous vous faites abuser sexuellement. Allez vous plaindre, confiez-vous, témoignez, parce que rien ne justifie le viol, rien du tout. J'ai dit, rien de rien ne justifie le viol. Est-ce que ça entre bien Continuez de tapoter l'écran, la famille. Il faut qu'on éduque nos populations. C'est très important. Rien ne justifie. J'ai dit bien rien. Je vous ai donné quelques schémas ici. Tu invites une fille, elle vient chez toi en minijupe sans caleçon. Elle n'a pas le caleçon en dessous. Ça ne te donne pas le droit de monter sur elle si elle ne, ne t'a pas autorisé à monter sur elle. Ça ne te donne pas le droit. Et il y a des gens pour essayer de justifier, n'est-ce pas, l'acte posé par les bourreaux? De ces victimes d'agressions sexuelles qui demandent les preuves. Dites-moi, c'est quoi la preuve d'un viol? Est-ce que quelqu'un peut monter dans le live ici et me dire, c'est quoi la preuve d'un viol? Voilà. Oui, c'est quoi la preuve d'un viol? Wayne, Waza, nous sommes dans une éducation. Nous sommes dans une éducation. Et personne ne dit qu'on doit seulement croire sur parole. Sinon, c'est que c'est tout le monde qui est en prison ici. Quand la victime se plaint, on ouvre une enquête. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Hervé Bobda a agi pendant combien de temps Aucune enquête n'a été ouverte sur lui, sur ses agissements. Pendant combien de temps? 20 ans, plus de 20 ans. Et son père, avant lui, faisait la même chose. Les femmes de ses employés, ou de, euh, Afrique Construction. Les femmes de ses employés, ou les, les, les femmes des voisins, ou, et les machins, il faisait et il menaçait toujours avec euh, l'arme à feu. On ne lui a rien fait. On ne lui a rien fait. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire un truc, n'est-ce pas? Je vous donne un petit conseil déjà. Parce que c'est souvent trop facile de se faire piéger dans ces situations-là. C'est trop facile. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes soyez patients. Parce qu'il est trop facile pour vous de tomber dans ce genre de piège. Et la plupart du temps, quand vous tombez dans ce genre de piège, vous, t dit, vous ne vous relevez pas. Vous ne vous relevez pas. Parce qu'effectivement, il suffit qu'une fille vienne se plaindre. Ici-là, une fille vienne se plaindre que toi, tu as abusé d'elle sexuellement. Elle ne voulait pas, mais tu as, tu as abusé. On va ouvrir une enquête. Et maintenant, c'est l'enquête qui va déterminer parce qu'il y a des procédures spéciales pour ça. C'est l'enquête maintenant qui va déterminer quelle était votre relation, comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette situation, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver chez toi, est-ce que vous aviez l'habitude de vous voir, est-ce que vous aviez l'habitude de vous parler, est-ce que vous, aviez, vous étiez d'accord, est-ce que, est-ce que, est-ce que, on va fouiller jusqu'à trouver. Et c'est souvent aussi, ne croyez pas que c'est facile, c'est souvent très difficile de trouver, n'est-ce pas, des, dit, des preuves. C'est très, 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 très difficile. Quand il parle pas, ce n'est pas preuve matérielle. Hein. C'est-à-dire, c'est souvent très difficile à l'issue d'une enquête pour viol, n'est-ce pas, d'établir les, les responsabilités au profit de la personne qui s'est plaint. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, il n'y a pas de preuve matérielle. Donc, il faut des enquêtes tellement approfondies. Et. La plupart du temps, comme je disais, c'est dans les, les, dans les échanges, dans les témoignages, c'est-à-dire que tu vas faire, tu vas tu, toi la victime ou toi l'accusé, toi euh, euh, l'accuseur ou l'accusé, vous allez faire face, n'est-ce pas, à des psychologues, à des personnes qui vont vous interviewer pour essayer de comprendre la situation. Et c'est ces personnes-là qui vont déterminer après, n'est-ce pas, les différentes interviews si oui ou non il y a eu viol ou pas. Voilà. Dans notre société, doit essayer de s'assainir. Parce que, Eve Bobda, que vous voyez là, ce petit criminel-là, c'est-à-dire. Lui-là, c'est rien. Celui-là, c'est rien. Dans nos ministères, dans nos ministères, dans nos directions générales, dans l'armée au Cameroun, c'est grave. Dans l'armée au Cameroun, c'est grave. Dans l'armée, la police. Dans l'armée, la police, c'est grave. Les hauts gradés là, qui abusent des, 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 des femmes qui sont dans l'armée, c'est grave. Le problème, c'est que dans l'armée au Cameroun, on ne parle pas. C'est grave. Moi, je vous dis, j'en connais. Des femmes qui se sont plaintes de leurs supérieurs dans l'armée. Pas d'avancement, si tu ne donnes pas les lasses. Pas d'avancement dans la police, dans l'armée, la, dans les militaires. Pas d'avancement là, j'en pareil. Pareil dans la fonction publique. Des femmes qui vivent un harcèlement quotidien de leur patron. Les secrétaires de direction qui sont là tout le temps et se font harceler par leur patron. Qui se font harceler par leur patron. Ben oui, Protus. Les femmes sous-officiers sont appelées Matela, effectivement. Dans l'armée, c'est grave. Donc, vous voyez l'affaire Hervé Bobda dont on est en train de parler là, actuellement. Là, Hervé Bobda, Hervé Bobda. Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Si les femmes de l'armée au Cameroun se mettent à témoigner de ce qu'elles vivent au quotidien dans ces corps habillés-là, vous n'en reviendrez pas. Dans les ambassades ici, le jour où nous sommes allés prendre l'ambassade, le jour où nous sommes allés prendre l'ambassade du Cameroun à Paris. Pareil, l'ambassade du Cameroun à Berlin. Ici à Paris seulement, on avait filmé, non, on avait mis sur les réseaux sociaux. On a trouvé les préservatifs déjà utilisés dans le bureau de l'ambassadeur. À Paris. C'était en janvier 2019. On a trouvé des préservatifs déjà utilisés. Dans le bureau de l'ambassadeur, plein. D'autres, il avait des préservatifs non utilisés dans son, dans son tiroir. Il y avait des préservatifs déjà utilisés dans sa poubelle. Dans le bureau de l'ambassadeur. Et dans presque tous les bureaux qu'on a visités là-bas à l'ambassade du Cameroun, il y avait des préservatifs. Au bureau. Mais dans le bureau de l'ambassadeur lui-même a proprement dit, on a trouvé des préservatifs déjà utilisés. Plusieurs. C'était peut-être sept comme ça là, si je ne me trompe plus. La vidéo est là parce que c'était en direct. Tout le monde a vu. Vous avez vu quelqu'un parler. Le bureau de l'ambassadeur est transformé en, en, en chambre de passe, où je ne sais quoi, où l'ambassadeur fait ses, ses, ses choses dans, son, dans le bureau. Dans son bureau. Et vous pensez que la plupart du temps. Ce ne sont pas les employés de l'ambassade. Ou alors des personnes qui viennent demander, n'est-ce pas, euh, à être reçues par l'ambassadeur pour leurs petits problèmes de papier ou, n'est-ce pas, leurs problèmes, vous savez. Et, oui. Et l'ambassadeur te dit, OK, baisse la culotte, femme comme homme. Au Cameroun, c'est pareil. Tu vas demander le boulot dans un ministère, dans une direction, dans une entreprise, n'importe où. Tu, tu baisses la culotte ou tu baisses la culotte. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et nous demandons aux victimes de venir témoigner. Si vous êtes victime d'un DG de la place, vous êtes victime de témoigner. Parce qu'il est temps que ça s'arrête dans notre société. Il est temps que ça s'arrête dans notre société. Cet abus doit s'arrêter. Témoigner. C'est pas tout pareil au Cameroun Vous voyez des jeunes filles, des jeunes étudiantes Qui vont déposer des dossiers de stage Elle arrive dans l'entreprise comme ça là. Le DRH, le DRH Il dit, bah ouais, écoute, bon d'accord Je peux te trouver un poste pour ton stage là, Mais avant ça, il faut d'abord Il faut d'abord L'affaire Hervé Bobdassi Doit absolument Ouvrir les valves Ouvrez les valves, témoignez. Vous êtes victime, témoignez. Et je sais que les victimes sont nombreuses là-bas dans ce pays-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous vous faites abuser. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand vous arrivez aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche au Cameroun. Sur, sur 20 entretiens d'embauche, 19 vont demander les fesses. Filles comme garçons. Hein? Eric, bonsoir Eric Mel, comment tu vas, mon frère? Filles comme garçons, les gars aiment tout. Ils aiment les fesses des filles, ils aiment les fesses des garçons. C'est comme ça maintenant au Cameroun. Dans l'armée, les femmes portent les galons. Tu vois des jeunes petites filles comme ça, là, elles entrent dans l'armée, elles grimpent, elles grimpent, elles grimpent. Elle grimpe. Tu dis, que, mais celle-ci, elle fait même comment Alors qu'elle est juste le matelas des officiers. Hmm? C'est terrible dans notre pays, là. C'est grave. Et à un moment, il faut dénoncer. Parce qu'une société ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'il était difficile pour ces personnes. D'arrêter Hervé Bobda. Et si on a même arrêté Hervé Bobda, c'est parce que, euh, il détient une arme à feu. C'est pour ça. Ce n'est pas trop parce que, oui, il y a les, les plaintes et les gens se sont plaints qu'il a abusé d'elle, ou bien il a abusé d'eux, ou, euh, non, 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 non. C'est parce qu'il a une arme à feu. C'est la raison principale pour laquelle ils sont partis l'arrêter. Sinon, les gens allaient, on allait continuer de tourner, 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 parce que le pays là, les gars se protègent entre eux. Tu vas voir que le Hervé Bobda, d'abord, tu vois les photos de Hervé Bobda avec euh, Joël Émile Mbankoui, le, le directeur de la SEMIL, la sécurité militaire. Émile Mbankoui, le colonel. Hein? Tu vois le fameux Hervé Bobda, comment les, les éléments de la garde présidentielle lui, lui font les honneurs militaires. Le fameux Hervé Bobda qui marche tout le temps et il est protégé par des gendarmes protégé par des policiers. Et je vous rappelle que selon la, la loi de, de 2016 au Cameroun, pour obtenir une arme à feu, ton permis de port d'armes doit être signé par le ministre de l'administration territoriale, par le ministère de la, Déf le ministre de la Défense, et je crois le ministre de la Justice, un truc comme ça. Mais en fait, c'est le ministre de l'administration territoriale qui finalise le dossier. Et avant qu'on ne te donne l'arme à feu, il y a une enquête de moralité sur toi. Donc on doit d'abord enquêter sur toi pour savoir quel genre de personne tu es. Et si on constate une seule seconde que tu es une personne violente, on ne doit pas, on ne peut pas te donner une arme à feu. Mais on se pose donc la question de savoir comment est-ce que Hervé Bobda a fait pour être détenteur d'une arme à feu au Cameroun, détenteur d'un permis de port d'armes. Si même il a le permis, oui, il avait. Comment est-ce que Hervé Bobda fait pour être détenteur d'un permis de port d'armes dans un pays comme le Cameroun? On s'est basé sur quels critères pour lui accorder ce permis, pour lui accorder une arme à feu, pour que des militaires lui donnent le tchaka? Comment est-ce que c'est possible? Il est là, il est l'ami il est, il est, il est, il est intime, euh, euh, n'est-ce pas, du, du préfet ou c'était le préfet du Voury? Tu le vois, il est là, il a les photos avec les gouverneurs. Tu le vois, il a les photos avec les généraux. Tu le vois, il est là avec les ministres. Tu le vois. Il à dit que ça, ça a dit... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le pays-là est pourri. Le pays-là est pourri. C'est inadmissible qu'une société continue de fonctionner comme ça. En croyant que... Des jeunes filles désœuvrées sont des proies. On doit abuser d'elles. Parce que les gens vont venir justifier en disant que c'est la pauvreté. Et ça pousse les filles là à aller n'importe où, n'importe comment. Mais si vous constatez que c'est la pauvreté, eh bien, attaquons-nous donc au système qui appauvrit les, les Camerounais pour que ce genre de choses s'arrête. Parce que vous dites que c'est la pauvreté, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a l'extrême pauvreté au le Cameroun qui pousse les jeunes filles à le faire? Hmm? Pourquoi Il faut donc trouver la solution. Il ne faut pas seulement s'attaquer au problème, n'est-ce pas, à la surface. Il faut s'attaquer au problème dans le fond. Donc, s'il y a des individus comme Hervé Bobda qui agissent en toute impunité au Cameroun, c'est bien parce que au Cameroun il n'y a pas de justice. Dans un live où j'étais invité là, euh, j'ai décrié le fait qu'il n'y a pas d'accompagnement de victimes au Cameroun dans ce genre de cas. C'est pour ça que vous allez voir rarement les victimes vont porter plainte. Rarement, parce qu'il n'y a aucune association qui va vraiment euh, essayer d'aider ces victimes. Aucune association. Regardez d'abord. D'abord, le Cameroun là, vous avez vu où c'était le sous-préfet. Le sous-préfet qu'on avait capturé. En train de se masturber en, en vidéo. C'était partout, partout dehors. Le sous-préfet, là, il est toujours en poster. Il était dans son bureau. Pardon. La photo de, de, de Paul Bia est là, derrière lui. Et il est en appel vidéo, nu, en train de se euh, euh, secouer la, le kikinette devant. Euh, n'est-ce pas, une autre femme de, de l'autre côté, n'est-ce pas, euh, de l'appel, en train de se masturber tranquillement. En fait, c'était des scamas. Et les gars ont donc capturé pour lui faire du chantage. Donc, voilà donc, pendant que toi tu veux partir à la sous-préfecture ou bien à la préfecture pour un dossier, on te dit que le sous-préfet est occupé. Le préfet est occupé. En fait, voilà de quoi est-ce que le, le préfet est occupé. Voilà à quoi est-ce que le préfet euh, euh, occupe ses journées. Hein? C'est ça. Et quand vous voyez une faute lourde comme ça, le préfet, le sous-préfet, là, il est toujours en poste. Hein? Il est toujours en poste. Malgré ce scandale-là, il est toujours en poste. Il a fait un communiqué, il a dit, ouais, écoutez, il y a des gens qui m'ont piégé, et puis ils ont commencé à me demander l'argent, j'ai donné l'argent fatigué, ils insistaient toujours, ils en voulaient toujours plus, et puis j'ai décidé que ok c'est bon, je ne donne plus l'argent, je ne cède plus au chantage. Ils n'ont ils qu'à partager. Donc lui-même, il a reconnu que oui, c'est bien lui dans la vidéo, c'est bien lui et tout, tout, tout. Et quand on lui a fait le chantage, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Il est toujours en poste. Donc il n'y a aucune faute à ce qu'un sous-préfet soit dans son bureau en train de se masturber en appel vidéo. Et en plus, il est marié. <laughs> Donc, t'as dit, aucune, zéro enquête de moralité, zéro éthique. Vous pensez que c'est quoi Quand déjà même votre président, d'abord lui-même là, lui, il aime les choses comme ça. Vous pensez que vous, vous vous attendez à quoi Vous vous attendez à quoi parce que quand je dis votre présent aime les choses comme ça là, que les choses que Bob Da faisait, les patouze, les machins machins, les, les soirées, comme le le le, le 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 genre de soirée se passait là-bas, je ne sais plus où là le Pinky Money. C'est dans ce genre de soirée que le grand père euh, Mbambi Vondo a rencontré Machantou hein. Vous le savez non? C'est dans ce genre de soirée là. Parce que à l'époque, Marchantou était une dame de compagnie, comme on appelait à l'époque. Ça dit c'est une façon euh, élégante, n'est-ce pas, de masquer euh, le fait qu'une une femme soit une prostituée. Quoique moi, je n'ai aucun problème avec les prostituées. Hein. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Moi, je n'en ai rien à cirer. Mais donc, c'était dans ce genre de soirée là que euh, Papa Paul, Papa Paul a rencontré Marchantou, le président du Cameroun. C'est dans ce genre de soirée. Qu'il a rencontré Machantou. Et à l'époque, n'est-ce pas, euh, son, son, je pense que c'était son directeur de renseignement, un truc comme ça, de, de renseignement de la sécurité présidentielle, un truc comme ça, avait dit que tu ne peux pas euh, te, te montrer publiquement avec ce genre de femme parce que c'est une fille de joie. Tu ne peux pas prendre une femme, une fille de joie sur laquelle presque tous les hommes de la République sont passés. Et faire de, d'elle la première dame du Cameroun, ça ne se peut pas. Il a ressorti toute la vie de Machantou. Sauf que Machantou avait déjà bien malaxé, euh, pas pour malaxer, malaxé au lit. Elle lui a fait des positions. C'est sûr qu'elle lui a fait des positions que lui-même, il ne pouvait pas imaginer. Comme lui-même d'abord, c'était un catéchiste timide. Donc, il n'avait jamais certainement eu le goût qu'il a eu avec Machantou. Il a renvoyé son directeur de renseignement là et il a épousé Machantou. Donc pour vous dire que même votre président déjà de la République d'abord est un adepte de ces genres de soirée. parce qu'on lui a présenté tout dans ces genres de soirées elle était là pour être sa dame de compagnie vous savez la dame de compagnie ils on parle en, en langage codé dame de compagnie <laughs> Titi Zalo, la position du crapaud baisser, c'est encore quel genre de position <laughs> ou sur les réseaux sociaux vous allez me finir Hein? Donc, on lui, a, on, lui a, on lui a présenté la dame de compagnie. Il a passé la soirée avec elle. Il était bien, il, était, il a eu le goût. Et il a décidé de l'épouser. Parce qu'elle lui a fait des choses que, inimaginables. Et voilà, elle est entrée dans son cerveau jusqu'aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc vous comprenez donc que le Cameroun est pourri depuis la tête. Pourri depuis la tête. Quand on parle des choses comme ça, les gens croient que c'est l'amusement, pourtant c'est la triste réalité. Oui, la première dame du Cameroun était une fille de joie. C'était une, une dame de compagnie, une accompagnatrice, une, une escorte. Voilà, c'était une escorte, <laughs> gueule. Une escorte, gueule. Donc quand il y avait les diplomates qui venaient au pays, il y avait les hommes, les invités, tout, 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 comme elle était un peu jolie à l'époque. Donc, elle était le genre de filles qu'on prenait, on, on les amenait dans ces soirées, les after. C'est-à-dire quand il y a les rencontres diplomatiques, euh, machin. Après, quand ils finissent, ils partent dans l'after pour boire, manger, causer, passer du bon temps. Donc, on, ramène, on ramasse donc ces filles-là, ces filles, ces filles, on les ramasse, youp, 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 et on les amène. Donc, maintenant, chacun fait son choix, chacun fait son choix, chacun, chacun fait son choix, et puis il passe la soirée avec. C'est comme ça que par pour la rencontre, machin, tout. Voilà. Donc, le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit par la tête. <laughs> mes chers, mes chers, mes chers frères, mes chers Africains, vous allez voir dans notre société des individus qui prennent des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans à mariage. On vous dit c'est normal, c'est la coutume, c'est normal, c'est dans notre société c'est comme ça. Vous voyez des vieux papas de 50 ans qui vont prendre une jeune fille de 14 ans, 15 ans en mariage, 13 ans même en mariage. Il la met à la maison, au Cameroun, devant mes yeux, j'ai vu plusieurs, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est beaucoup plus chez les musulmans, beaucoup plus. Mais ce n'est pas seulement chez les musulmans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la société. Au Cameroun, je ne sais pas ailleurs, mais au Cameroun, au Niger, ça, ça se passe comme ça. Des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, 12 ans même. Et dès qu'elle a déjà vu ses menstrues, ils commencent seulement à bombarder les enfants. Vous appelez ça comment vous, trouvez, vous pensez que c'est normal Vous ne voyez pas que cette petite fille est victime de la société Vous ne voyez pas que des enfants comme ça doivent être protégés on va dire que non, c'est comme ça, on, peut, on va faire comment? Non. Voilà pourquoi je dis ne trouvez jamais de circonstances atténuantes dans ce genre de situation. Les hommes comme Hervé Bobda, dans une société normale, on devait couper son zizi. Oui, si je suis président au Cameroun et qu'il est avéré qu'un prédateur comme celui-là, a commis autant de crimes. Autant. Non, il y aura une sentence spéciale pour eux. On coupe ton zizi, on prend le chalumeau, on brûle. Ça ne saigne pas. On te laisse. Donc, c'est-à-dire que on te, on, on te mutile le zizi. On, muse, on, on, zizi on, <laughs> on coupe ça. Comme ça, tu ne vas plus jamais faire les choses comme ça là, aux enfants des gens. C'est trop facile. C'est trop facile. Et quand on va faire comme ça, un, deux, les autres vont commencer à garder. Ils vont, ils, les gars vont dire non, 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 euh, l'autre si vraiment. Quand il va voir une fille, il va dire est-ce que tu es d'accord avant qu'on fasse Parfois, même vous allez même faire, même, je ne sais pas, signer même des contrats. <laughs> non, c'est une façon de parler, mais en fait, pour dire que ne tombez plus jamais dans ce piège-là. Beaucoup sont tombés dans ce piège et je ne vous en veux pas. Parce qu'il faut de la profondeur pour ne pas tomber dans ce piège là et c'est ce qui vous manque. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Au lieu de parler de ce qui se passe dans notre pays, du fait que des hommes comme Hervé Bobda soient toujours en liberté malgré les accusations, on se met à s'attaquer aux victimes. On dit, ouais, écoute, les jeunes filles là, elles aiment trop ça. Elles, aiment, elles ont les longs yeux. Les jeunes filles d'aujourd'hui, vraiment, on ne comprend pas. Vous allez les voir où elles portent le collant, les fesses sont dehors comme ça. Elles portent les mini-jupes. Oh, les montent, elles montent sur la moto. Quand le vent passe, sa jupe se soulève. On voit les strings, on voit les ceci. Quand elles font comme ça là, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils attirent les hommes là. Ils attirent les hommes. Non. Non. En fait, moi. Je dis juste que c'est l'inculture. C'est-à-dire que ce sont les incultes qui pensent comme ça. Parce que c'est étonnant que des gens qui vivent en Europe, en fait en Occident, dans les, 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 les pays un peu développés, où les mentalités sont beaucoup plus développées, où on voit en été, en été, tu vas voir des jeunes filles ici, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, elles marchent là en été, presque nues, avec les culottes. Les culottes qui sont presque comme le string, les culottes d'une, hein, mais qui sont presque comme le string, c'est-à-dire nus, presque nus. Ici, là, comme ça, elles mettent des petits bodys comme ça, là, elles sont là, toutes en route. Elles marchent, elles montent. Les jeunes filles comme euh, filles âgées, c'est-à-dire mineurs comme adultes, mineurs comme majeurs, elles sont là, elles montent, elles descendent, tu pars. Au supermarché, tu vas au centre-ville, tu vas n'importe où, tu vas au cinéma, partout où elles sont là. Elles se pavanent en route, puisque en été ici, les gens n'aiment pas trop prendre les transports en commun. Ils aiment marcher, ils aiment prendre du soleil, parce qu'il n'y en a pas. Donc, ils profitent. Tu les vois, ils sont versés tout le temps dehors. Tu vas dire quoi Que donc, comme toutes ces enfants, toutes ces filles, filles, adultes comme mineurs, s'habillent comme elles s'habillent là, elles marchent en route là, toi, tu vas aller commencer à aller à, 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 à à ennoxer. Tu vas aller les tirer dans les coins gnocsés, tirer dans les coins parce qu'elles sont habillées, mini, elles n'ont pas ceci, elles ne sont pas bien habillées, elles sont trop sexy, elles sont habillées, attirantes, machin, patati patata. En été, ici, si tu invites une fille, en été, tu l'invites dans un bistrot, dans un glacier, dans n'importe quoi, ici, en été, attends-toi à ce qu'elle vienne presque nue, à moitié nue. Elles ont des culottes qu'elles portent elles ont des collants bizarres, elles ont. D'autres portent le collant comme ça, elles soulèvent le collant, ça fend, ça fente, ça fente comme ça, tu vois, la fente est bien visible devant. Bien visible devant. Elles viennent là au rendez-vous. Tu vas dire que, oh, bon, c'est parce qu'elle a habillé comme ça que moi je suis monté sur elle. N'est-ce pas? M'bénio. Hein? Il n'y a pas de circonstance atténuante au viol. Rien, rien ne justifie effectivement la muse. Rien ne justifie le viol. Rien. Il n'y a pas de circonstance atteignante. Pas de circonstance atteignante. Donc arrêtez de vouloir justifier le fait qu'un individu abuse des enfants, des gens et même des adultes. Parce que soi-disant, ils ont accepté de boire un verre avec lui. Ils ont accepté de monter dans sa voiture. Ils ont accepté son invitation. Ils se sont retrouvés à l'hôtel. Et nanani, nanana, non. Non. Non, de Babi 225, je ne regarde pas les petites filles. Non. Ce n'est pas de ça que je parle. Que tu le veux ou non, tu vas les voir. Elles sont toutes versées partout, tout le temps, partout, partout. Elles sont toutes là. Donc, ce n'est pas une affaire que tu regardes ou que tu ne regardes pas. Elles sont toutes versées. C'est un peu comme quand tu pars à la plage. Est-ce que tu pars à la plage et que tu vas seulement regarder les femmes en, en, en bikini Non. Elles sont là. Donc, tes yeux voient sa voix. Et on est habitué ici. Et on est mu psychologiquement. Donc, en fait, tu regardes sans voir. Tu regardes sans voir. Tu passes seulement. <laughs> je sais, je sais de Babi, je sais. Tu regardes sans voir, tu passes seulement. Ici, c'est chose normale. C'est normal. Tu vas aller en boîte de nuit. Tu vas voir. Et, et c'est beaucoup plus en été parce qu'il fait chaud. Même en hiver, quand tu arrives en boîte de nuit, là, tu vas voir, elles vont s'habiller bien avec les, les, les gros trucs, là, tout ça. Quand elles vont entrer en boîte, elles vont retirer. Tu vas voir une robe complètement transparente. L'autre qui n'a pas de soutien et elle a juste un string avec une robe en gris, grillage. Tout son corps est dehors. Mais personne ne peut abuser d'elle. Bien dit, personne. 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 Elle est en boîte pour danser, s'amuser. Elle finit de danser, s'amuser. Si tu veux t'allumer, c'est ton problème. Finis de t'allumer, tu pars. Personne ne va la toucher sans son autorisation. Donc les gens ne vont pas venir dire Oh, bah, comme elle s'est habillée comme ça. Ça veut dire que euh, je vais, je vais... Non! Personne ne touche. Vous entendez un individu assis au restaurant avec une jeune fille qu'il a invitée. Après, il se lève, il gifle, tabasse la fille au restaurant devant les gens. Les gens ne réagissent pas. Mais dans quelle société vivons-nous Dans quelle société vivons-nous et il a l'habitude de le faire. Il ne fait pas une fois. Il ne fait pas deux fois. Et il passe son temps dans, dans, dans ces restaurants-là. Il vient pas, 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 il s'assoit. Vous continuez de lui servir. Non. Quelle est la politique morale de vos établissements hmm? J'aime mon restaurant. Un individu comme ça vient. Il se comporte de la sorte. Le lendemain, je dis, je ne veux plus voir cet individu chez moi. Qu'il l'aille. Je ne veux plus le voir chez moi. Ça veut dire qu'il se comporte de la sorte avec une fille, une fille. Vous voyez qu'elle est, elle est, en fait, elle est plus petite que lui et tout ça. C'est une victime. Vous le mettez dehors. Vous gardez la fille à l'intérieur pour sa sécurité. Même si c'est sa copine. Pour la sécurité de la fille. Vous, même si c'est sa femme. Ça, c'est juste une leçon que je dois vous donner. Un individu est assis dans votre restaurant, dans votre bar ou je ne sais quoi. Il se lève, il commence à violenter une femme. Même s'il est avec cette femme-là. Ce que vous faites, c'est que vous le mettez dehors, vous gardez la femme pour sa sécurité. En fait, c'est même pour leur sécurité à Dieu. Et maintenant, quand il part, vous laissez la femme partir. Si vous ne voulez pas appeler la police, vous laissez la femme partir. Donc, qu'ils aillent faire ça loin, pas dans ton établissement. Ce sont les politiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, mes chers Africains, ne trouvez jamais de circonstances atténuantes à un violeur. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. À toi de ne pas te mettre, c'est-à-dire toi, euh, euh, un homme. Tu, tu te mets dans une situation où tu, tu abuses sexuellement d'une autre personne. Non. Rien ne justifie le viol. Rien. Et tellement les femmes en sont victimes. Les femmes sont tellement chosifiées en Afrique. Oh, c'est terrible. En fait, c'est parce que vous aussi, vous avez accepté. Hein. On, vous, on vous dit même, vous avez appris dans les religions. Même dans les religions, on vous dit que vous êtes inutile. On vous dit que Dieu a créé l'homme. Après, il a vu que ça n'allait pas. Il a endormi l'homme. Il a pris une côte de l'homme pour créer la femme, pour que la femme puisse accompagner l'homme. Une façon de dire que l'homme a une prédominance sur toi. Tu es de l'homme. Tu, tu vis selon le bon vouloir de l'homme. Toi, la femme, tu es inutile. Donc, quand Dieu voulait même créer la terre, et quand il a décidé de créer l'humain, il a créé l'homme. Il n'a pas créé la femme. Il a créé l'homme. Après, il s'est rendu compte que non, vraiment euh, bon, l'homme s'il a besoin quand même d'une compagnie qui lui ressemble. Alors qu'avant ça, il a créé les animaux, hein, mâle-femelle, 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 mâle-femelle. Après, il a créé un homme pour dominer les animaux. Il n'a pas pensé que l'homme qu'il a créé là, il devait aussi créer mâle-femelle. Non, non, non. Il a créé un homme. Et après, il a vu que l'homme était trop triste. L'homme était seul. Il se sentait seul. Il a dit Ah, attends. Il a endormi l'homme. Il a pris une côte, une côte de l'homme pour créer la femme afin qu'elle puisse l'accompagner. Donc, une côte de l'homme. Alors qu'on a créé l'homme à part entière. On a créé les animaux à part entière. Mais toi, la femme, tu viens d'une côte de l'homme pour l'accompagner. Donc, même dans les religions qui sont partout en Afrique déjà là, on vous a chosifié. Et vous acceptez. Non, il ne faut pas accepter ça. Regardez comment la femme est traitée chez, par, chez les musulmans. Il faut seulement qu'il y ait un homme musulman éveillé pour comprendre que la femme a des droits. Hein? Il faut seulement qu'un homme musulman éveillé, il faut qu'un homme soit un musulman éveillé pour comprendre que non, la femme a des droits. Sinon, la plupart du temps, c'est comme ça. On leur enseigne que non, la femme, c'est une chose. Et c'est pour ça que dans notre société, les femmes sont telles, victimes de tellement d'abus à tous les niveaux. Et on trouve que c'est normal. Parce qu'on dit, ah ben écoute, tu es une femme de chambre. Euh, bah fallait pas entrer dans la chambre euh, euh, n'est-ce pas d'hôtel du type là quand tu savais qu'il est à l'intérieur hein euh, il fallait pas entrer il fallait attendre qu'il finisse il sort et puis toi tu vas nettoyer la chambre euh, bah écoute toi tu es la ménagère il ne fallait pas te laver quand tu savais que ton patron était à la maison parce que vous savez les hommes les hommes sont comme ça c'est là où on te dit qu'on justifie le fait qu'une qu'un homme trompe sa femme on justifie le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, mais on ne doit pas, on ne doit pas accepter qu'une femme ait deux relations différentes. C'est sale, c'est une prostituée, c'est une sale femme, c'est une femme infidèle, c'est une femme ceci, c'est une cela. Mais quand un homme il a deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq conquêtes, dix conquêtes, vingt conquêtes, il est fort, il est fort. Il a une clé magique qui ouvre plusieurs portes. Ils ont même trouvé des adages en disant que si tu es une porte et que plusieurs clés différentes t'ouvrent. Tu ne vois pas que tu as une porte inutile. Par contre, si tu as une clé qui ouvre plusieurs portes, ça veut dire que tu es fort. Donc, l'homme, l'homme est fort. La femme est inutile. Si a... C'est ça. Et c'est ça qui fait en sorte que, c'est ça qui fait en sorte que, dans notre société africaine, les jeunes, des femmes sont abusées au quotidien, à tous les niveaux. Et la société trouve ça normal. Normal. Vous savez, euh, moi, des, 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 il y a des sujets de société où je me dis, il faut une bonne gouvernance pour rééduquer les populations. C'est pour ça que je ne m'attarde pas souvent trop au fait de société. Sinon, c'est que je vais laminer tous vos pseudo-coachs que vous avez sur les réseaux sociaux, là, parce que personne, il n'est pas encore vu quelqu'un là-bas qui dit qu'il est un coach et qui a un cerveau qui réfléchit. C'est tous des mamailleurs, des embrouilleurs de, 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 de population qui racontent des histoires qu'ils ne maîtrisent même pas. Et si je me mets dans ce domaine-là, je vais les éteindre un à un, un à un, un à un, un à un, un à un. Il n'y en a pas. Tous, c'est des mamailleurs. Des gens qui se donnent le titre de coach pour venir vous raconter des histoires, dormir debout tout le temps. Chaque fois, non. Donc, moi, je, me, je vois plutôt les choses, genre, euh, la société est malade. Et pour soigner cette société, il faut absolument qu'au sommet de l'État, il y ait une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance entraîne une bonne volonté d'émanciper, de, de prendre soin des populations. Voilà pourquoi vous allez voir remarquer que, je. c'est très difficile pour moi, n'est-ce pas, de parler des problèmes qui touchent les gens individuellement, des problèmes de société, des femmes-hommes, les machins trucs, les trucs, c'est très difficile parce que j'estime que on aura beau parler, mais si on ne change pas, n'est-ce pas, la gouvernance dans nos différents pays, on aura toujours ce même problème. Donc c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Si à la tête, peut-être, je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun. Si à la tête du Cameroun, on a des dirigeants dignes, ils vont assainir, ils vont assainir la société, assainir complètement la société. C'est-à-dire que quand tu arrives à demander l'emploi quelque part, on regarde le mérite et non tes fesses. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, comme je le disais encore, je le répète pour clôturer le live. Personne n'a un emploi normal au Cameroun parce que oui, c'est compétence. Non, c'est que c'est la quantité de tes fesses qui détermine ton emploi. Et on se retrouve avec des gens inutiles à des postes importants. Et c'est comme ça que la société s'affaiblit, la société s'affaisse. Parce que maintenant, ce n'est plus la compétence intellectuelle, mais c'est la compétence des canapés, des lits. Des bureaux, des fesses. Plus tu donnes bien au directeur, plus tu donnes bien au ministre, plus plus il te nomme à des postes élevés. Et tu vas remarquer, tu arrives dans un ministère, tu arrives dans des bureaux, de, de n'est-ce pas, de la fonction publique, tu vas trouver des femmes qui sont là, elles se liment les ongles. Elles prennent un dossier, elles tournent comme ça. Elles tournent comme ça. Après, c'est déjà l'heure de la pause. Hein. Moi, je m'avais mangé. Hein? Anita, tu ne pars pas. Hein? Margaret, on pas pas manger, non euh, euh, Vraiment. Elle part s'asseoir dans un restaurant, manger, 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 manger. Après, elle revient, elle tourne encore le dossier comme ça, elle tourne, elle dépose, c'est fini. La journée est finie, elle a déjà pointé la journée, elle est partie. Qui va lui parler Le patron monte sur elle. Qui va lui parler C'est l'anjomba du ministre. Qui va lui parler C'est l'anjomba du directeur. Et la société ne peut pas avancer comme ça. Voilà. Donc, pour terminer le live, encore une fois de plus, je répète que ça entre bien dans la tête des gens. Rien ne justifie le viol. Ne cherchez jamais à transformer les victimes en coupables ou alors à donner une part de responsabilité aux victimes. Jamais. Sur ce, Passez une bonne soirée à tous, c'était Max Senior. Je reviendrai, très certainement.